tie-break. Aujourd'hui, vous allez apprendre les footwork, plus communément appelés passe-passe. Et on va commencer bien sûr par les bases, le six step, en français, six temps. Allez, on est parti. Échauffez-vous bien, mettez-vous en place et on réalise. Donc on est parti pour la position initiale. Jambes écartées, légèrement surélevées en demi-pointe et les bras posés au sol. Allez, on y va pour le premier mouvement. On envoie la jambe gauche sur le côté. 1. Deuxième mouvement, on ramène la jambe droite derrière le genou gauche. 2. Et on se met en demi-pointe. Troisième mouvement, on s'assoit. On est au 3. Maintenant, je vais changer de position et on va continuer la suite. Donc, on est à la troisième position, la moitié du mouvement, du sit-in, et on enchaîne. Maintenant qu'on est en position assise, on envoie la jambe droite. 4. Et on pose la main droite. 5. On tend la jambe gauche à l'arrière et on pose la main gauche. 5. Et on revient à la position initiale. 6. Plus rapidement, ça fait pam, 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 pam. Et voilà. Bon, j'espère que le six step a été assimilé, que vous avez bien suivi les mouvements, toutes les six temps. Maintenant, on va passer à une deuxième base. Elle s'appelle le rocksteady. Parti. Toujours dans cette position assis. Demi-pointe. On tend la jambe droite. On pose la main droite. Et là, on va comme si taper avec l'aile de pigeon le pied gauche. Boum! Et on revient. On change. L'autre sens. Boum! On revient. Ça va? Pas trop dur? C'est assez simple. On change de pied à chaque fois. Et on tape. On revient. On change de pied. On tape. On revient. Maintenant, version plus rapide. Bon, nous arrivons à notre troisième et dernière base pour cette vidéo de footwork. Mais il y en a tellement qu'on pourrait passer tout un autre confinement à les apprendre. Donc, c'est le tri-tep. Trois temps. Très simple. Et c'est parti. Position initiale. Comme le six-step. Hop, on se place là. Sauf que c'est trois temps. D'accord, on commence comme ça. Et 1. Jambe droite tendue. On revient de face. 2. On change de jambe. Et 3. Position initiale. Même chose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'espère que vous avez avancé du début jusqu'à la fin. Six step, rock steady, tri step. Là maintenant, on va le faire en version rapide. Merci à tous.